Cette émission vous est présentée avec vidéo description. On rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il y avait de l'air quelqu'un bien normal pour elle. J'aurais jamais pu me douter qu'elle allait se chicaner avec mon frère comme ça. On peut pas prévoir ça quand on voit quelqu'un trois fois, parce qu'à 24 ans, on n'a pas assez de vécu, on n'a pas assez d'expérience de vie pour savoir que quelqu'un, mentalement ou physiquement, a quelque chose de dérangé. Jamais j'aurais pensé un jour être témoin d'un meurtre. On pense toujours que ça arrive aux autres, que ça arrive à la télévision, au cinéma, mais ça peut pas nous arriver à nous autres. Mais... Comment ça a pu virer cette histoire-là, cette chicane-là? C'est souvent ça. Les jeunes ne gèrent plus les émotions parce que derrière le clavier ou derrière l'ordinateur, ça, il n'y en a pas. Le 25 novembre 2011, à 18h, Luc Junior Lavoie annonce à sa petite amie Annick Lapierre qu'il se rend chez leur voisin, Maxime Fosse, dans l'intention de lui emprunter quelques dollars. Luc avait dépensé son argent complet au bar la veille, donc il était accro aux boissons énergisantes. Donc, il avait plus de sous pour s'en acheter. Puis, s'il n'y en avait plus, c'était la guerre dans la maison. Il était vraiment accro à ça. Donc, il a demandé des sous à Maxime. Puis Maxime a accepté d'y emprunter. Luc arrive chez Maxime, qui, ce soir-là, prépare une fête avec son ami Guillaume Chapdelaine. Le temps passe et Luc ne revient toujours pas auprès d'Annick qui l'attend. J'ai décidé d'aller chez Maxime, peut-être parce que j'avais un petit doute qu'il se passait quelque chose, parce que ça faisait au-dessus d'une heure qu'il était parti. Je me suis pris pas une heure à aller chercher une boisson, là. Le dépanneur était à un coin de rue, donc je me disais qu'il se passait quelque chose. Je vais n'avoir qu'un net, je vais y aller. Près d'une demi-heure après l'arrivée de la jeune femme, Luc Junior Lavoie et Maxime Fosse sortent dans la rue, tous deux maculés de sang. Que s'est-il donc passé dans cet appartement? Pourquoi la soirée a soudainement tourné au drame? À 19h15, le 25 novembre 2011, à Drummondville, un répartiteur du centre d'appel d'urgence reçoit un appel de détresse. Des policiers de la Sûreté du Québec sont dépêchés sur les lieux. 4 minutes plus tard, un enquêteur aperçoit un jeune homme agité devant un immeuble de la rue Saint-Aimé. Les policiers connaissaient déjà Luc Junior Lavoie pour des antécédents en matière d'agressivité, de violence un peu. Donc, pas très connu des milieux policiers, mais quand même suffisamment pour que le policier le reconnaisse et se dirige vers lui en demandant qu'est-ce qui s'est passé. Mais Luc est incapable de répondre. L'enquêteur constate qu'il est taché de sang et semble sérieusement blessé. Il tente de savoir où se cache son agresseur. Mais Luc ne parvient qu'à balbutier quelques mots incompréhensibles et pointe vers une des extrémités de la rue. Alerté par la présence policière, des amis se précipitent sur les lieux. On a entendu sur le radio de police comme quoi qu'il y avait eu un incident là, sur la rue Saint-Aimé. On s'est rendu sur les lieux. Quand on est arrivé, on a vu Maxime se diriger vers la boucherie. Maxime, en fait, c'est un jeune homme quand même assez imposant, tempérament aussi... bagarreur, agressif un peu, mais moins connu des milieux policiers. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il y a un casier judiciaire, une poursuite automobile ou un truc, délit de fuite, quelque chose de quand même relativement mineur, mais quand même connu. Maxime Fosse est né le 7 novembre 1987 à Granby. 5 ans plus tard, alors que ses parents divorcent,
le jeune garçon doit faire face à une nouvelle réalité. J'avais rencontré quelqu'un, pas bien des mois après la séparation. Et lui-même avait des enfants et moi, j'avais Maxime. Et ça se passait pas toujours facilement. C'était très dur pour Maxime parce que Maxime était enfant unique. Donc, il avait tout le temps de son père et tout le temps de sa mère. Et je pense que c'était très difficile pour lui, la vie de famille. Maxime ne s'adapte pas très bien à sa nouvelle situation et exprime même un certain désarroi lorsqu'il apprend que la famille va s'agrandir. Quand on m'a annoncé que j'étais enceinte et que c'était une grossesse de jumeaux, Maxime m'a dit « Ah non! » Pourquoi? Parce qu'il perdait sa place. Il avait l'impression qu'il perdait sa place. Malheureusement, dû à la séparation, son père, par choix personnel, n'a pas fait partie de la vie de Maxime. De 6 ans à aller à 18 ans, son père n'était pas dans sa vie. Et ça, ça a été la plus grande blessure de cet enfant-là, c'est de ne pas avoir son père dans sa vie. Heureusement, au fil des années, Maxime se rapproche de Jesse, le fils du conjoint de sa mère. Moi, on avait une vraie relation comme des frères parce que on pouvait se chicaner souvent, mais dans le fond, là, on pouvait passer une nuit ensemble, tu sais, à triper ensemble, là, mais on restait ensemble quand même parce que on s'aimait comme des frères. Bien que de tempérament différent, les deux garçons développent une bonne relation et font toujours les 400 coups ensemble. On se complétait bien tous les deux. Là, il y a des côtés que j'étais capable d'y apporter. Là, moi, je donnais de la confiance, puis je pense bien qu'il aimait ça. Puis dans le fond, moi, j'avais des côtés de lui que j'avais besoin. Parce que moi, j'ai de la misère à m'affirmer. Mais lui, il s'affirme au bout, en masse. Il dit son point de vue. Maxime a des difficultés à l'école et se trouve incapable de terminer ses études secondaires. J'y aidais toutes les soirs à faire ses leçons et ça rentrait pas. Ça rentrait pas, malheureusement, même si le jeune y voulait, ça rentrait pas, ces informations-là. Et donc, on a réussi à convaincre l'école de l'envoyer chez ma sœur en Floride pour qu'il travaille avec mon beau-frère. Mais dû à son manque d'études, c'était difficile pour lui de se trouver un emploi. Avec le peu de perspectives professionnelles qui s'offrent à lui, Maxime est contraint de vivre de prestations d'aide sociale. Maxime, il aurait aimé ça, avoir un emploi stable, mais dans le débosselage, dans un métier qu'il aime. Dans la mécanique, quelque chose là-dedans, vraiment, je pense que ça aurait été quelque chose qu'il aurait voulu faire comme carrière. Maxime déménage quelques fois avant de louer un appartement sur la 105e avenue à Drummondville. C'est là qu'il fera la rencontre de ses nouveaux voisins, Annick Lapierre et Luc Junior Lavoie. Au mois d'octobre 2011, Annick et Luc se baladent lorsqu'ils croisent un jeune homme qui promène un chien. La façon qu'ils se sont rencontrés, c'est que le chum à Maxime, un soir, Maxime lui avait demandé d'aller prendre une marche avec son pitbull. Et le petit chef de laine, tout en promenant un chien, il y a un garçon qui lui pose la question « Où t'as pris ton chien, man? Il est super beau, j'en veux un pareil. » Et le petit chef de laine, il dit « C'est pas à moi le chien, c'est à mon chumé. » Une rencontre s'organise alors avec Maxime. Luc lui propose d'échanger son chat et son téléviseur contre son chien. Une fois la transaction complétée, les jeunes commencent à sympathiser. Au cours des jours suivants, Annick et Luc multiplient les échanges avec Maxime. À l'occasion, ils passent même quelques heures chez leur nouvel ami avant de sortir dans les bars. De nature plus casanière, Maxime préfère rester à la maison. Son caractère plus sage semble d'ailleurs commencer à plaire à Annick. À l'insu de Luc, la jeune femme clavarde souvent avec Maxime. Donc, on a commencé à se parler plusieurs fois sur Facebook. Aussitôt que j'avais la chance, quand que Luc était dans une autre pièce, ou on se parlait souvent. Là. En cachette, mais on se parlait. Je le trouvais vraiment très sympathique comme ami. Les deux apprennent ainsi à se connaître plus sérieusement
échangeant sur leurs ambitions futures ou riant de leurs expériences passées. Le 25 novembre, quand Luc quitte Annick pour se rendre chez Maxime, il ignore non seulement qu'ils communiquent régulièrement ensemble, mais que quelque chose d'encore bien plus grave les unit. Donc, Luc va se présenter chez Maxime sans attendre, puisqu'on a mis nouvellement rencontré. Il a entretenu des relations sur Facebook, donc assez pour pouvoir se présenter, s'inviter chez l'un, chez l'autre. Quel terrible secret Annick pourrait-elle cacher à Luc? Comment cette soirée entre amis tournera-t-elle au drame? Le 25 novembre 2011, Annick Lapierre attend avec impatience son petit ami, Luc Junior Lavoie, qui s'attarde chez Maxime Foss, un voisin dont ils ont fait la connaissance 3 semaines plus tôt. Le temps passe et Luc n'est toujours pas revenu. Annick s'inquiète de cette visite, car elle redoute que Maxime dévoile ce qui s'est passé entre eux 2 jours plus tôt. Le 23 novembre, alors que Luc lui annonce qu'il part pour la soirée, Annick se retrouve seule chez elle. Il voulait pas que je vienne, donc ça me fâche un peu, mais bon. Je dis, bon, je reste à la maison. Je doutais fortement qu'il était parti avec une autre fille, comme d'habitude. Donc, j'ai dit, bon, je vais aller passer ma soirée sur Facebook à jaser avec mes amis. Ça va peut-être me changer les idées. Donc, j'ai vu que Maxime était en ligne. Il est venu me parler, donc il m'a invité à aller chez eux. Il dit, t'as qu'à te morfondre chez toi, mais viens me voir. Annick accepte l'invitation. Les deux amis commencent à bavarder et rapidement, la conversation devient intime. On a écouté des films ensemble. Et en même temps, j'ai montré comment regarder des vidéos en ligne à partir de certains sites. Puis finalement, on a parlé beaucoup de Luc. Un an plus tôt, en 2010, Annick fait la connaissance de Luc sur un site de rencontre. Ils clavardent pendant moins de 2 heures avant qu'elle décide de l'inviter chez elle. Quand j'ai ouvert la porte, ça a été le coup de foudre. Je le trouvais vraiment beau, puis on a passé la soirée ensemble, on a écouté des films, puis il a couché chez moi ce soir-là. Il est plus jamais reparti. C'est un gars qui était très romantique. Il aimait beaucoup mettre de passion dans son couple, si on veut. Exemple, on se prenait dans la rue, puis il voyait des fleurs sur un parterre, ben il courait en chercher, puis il m'y ramenait. Il volait des fleurs aux voisins, en fait. C'était drôle, mais bon, il était très romantique. Il était très charmeur, attentionné. Le jeune couple aime par-dessus tout faire la fête et multiplie les beuveries. Auprès de Luc, Annick retrouve un bonheur qu'elle croyait perdu. Il me faisait rire comme jamais. Il n'y a jamais personne qui me fait rire comme lui. Même ma mère, la première fois qu'elle l'a rencontré chez moi, elle a dit « Mon Dieu, Annick, je t'ai jamais vu rire comme ça. » J'étais en dépression quand je l'ai rencontré, donc c'était vraiment le premier gars qui me faisait rire depuis très, très longtemps. Quelques mois après leur rencontre, le couple déménage. Ils habitent un nouvel appartement depuis à peine 24 heures, lorsqu'une querelle éclate entre Luc et un ami. Les policiers sont arrivés, le propriétaire n'a entendu parler, donc il nous a mis dehors vraiment. Là, on n'a pas échoué, mais là, j'avais pas de camion pour déménager encore mon stock. J'avais pas les moyens financiers non plus, lui non plus. Donc, on a vendu mes meubles pour pouvoir se payer un autre logement. Quand elle est restée dans un petit 3,5 meublé, chauffé, éclairé, c'est là que ça a commencé. On a commencé à avoir des problèmes d'argent, donc qui dit problème d'argent dit problème de couple automatiquement. Là. C'est là que ça a commencé vraiment à mal aller. Annick se divertit en clavardant avec ses amis. Elle en profite pour prendre contact avec de vieilles connaissances. Mais Luc voit d'un mauvais œil qu'elle passe autant de temps avec ceux qu'il considère comme de potentiels rivaux. Le jeune homme commence à devenir contrôlant avec elle. Il refuse qu'Annick échange avec des garçons et va même jusqu'à être violent quand il découvre qu'elle lui désobéit. Dans la violence conjugale, souvent la femme est vue comme la personne qui est,
qui a été aimée le plus de toute la vie. Elle est vue comme une personne idéale. L'amour qui est ressenti envers cette personne-là est vu comme un amour absolu, fantastique. Mais en même temps, quand il y a un petit quelque chose qui fonctionne pas, quand souvent, quand l'homme a le sentiment que la femme lui échappe un petit peu parce qu'elle est occupée à autre chose, parce qu'elle est intéressée par autre chose, à ce moment-là, soudainement, c'est comme si c'était plus l'être idéal, comme si soudainement elle devenait quelqu'un de détestable. Luc ne se gêne pas pour sortir sans Annick et rencontrer d'autres femmes. Et lorsqu'il rentre chez lui aux petites heures du matin, la chicane reprend. Quand je confrontais par rapport aux autres filles, par rapport à ses comportements ou par rapport à l'argent, peu importe, j'avais jamais raison. C'est toujours qu'il avait toujours tort et lui a toujours raison. Surtout quand je le confrontais au niveau des filles, ça le fâchait. Il sentait comme pris. Fait que c'est là qu'il a commencé à me pousser, à me donner, souvent me donner des claques ou même une fois me pousser dans l'escalier. Pour lui, c'était couche à gauche, couche à droite. C'était aucun respect, moi j'appelle, envers les autres. Une fille, pour lui, de la manière qu'on le voyait, c'était un objet. La relation s'envenime à un point tel qu'Annick tente de quitter Luc. J'allais donner une ressource pour femmes battues, mais comme ils connaissaient la ressource, eux autres m'ont dit comme d'aller ailleurs, si on veut, hein, de trouver une place où est-ce qu'ils connaissaient pas la ressource, dans une autre ville ou chez quelqu'un d'autre. Ce que j'ai voulu faire, mais en sortant de la ressource, ben ils m'attendaient sur le trottoir. Il m'a demandé de pardonner, qu'il changerait. J'ai voulu le croire. Je les envoierais essayer. Mais un an plus tard, Annick en a assez des fausses promesses de Luc. Elle est heureuse de trouver du réconfort auprès de Maxime. Et quand ce dernier lui annonce que Luc lui a avoué qu'il aurait l'intention de la quitter, la jeune femme saute sur l'occasion. Quand il m'a dit que Luc voulait me laisser, ben ça donne bien, moi aussi, je pense, à le laisser. Je suis plus capable de vivre dans ça. J'ai plus de famille, j'ai plus rien, j'ai tout perdu. J'ai plus rien en vie, tu sais. J'ai plus de raison de vivre vraiment depuis que je suis avec lui. Ça va pas bien. Par la suite, je sais pas comment ça s'est passé, ça s'est fait tellement vite. Il s'est collé à moi, puis il m'a embrassé. J'ai pas rien fait, là. Je me suis même pas défendue, dans le fond, peut-être que je le voulais. Là. C'est alors que Maxime découvre qu'Annick a des ecchymoses et commence à questionner la jeune femme. Il m'a demandé comment c'était fait ça. C'est-tu lui qui t'a fait ça? Ben, j'ai répondu oui, c'est lui qui me les a fait. Je voulais pas y mentir, je suis quelqu'un d'honnête déjà en partant. C'est là que ça l'a fâché, puis... Il me dit, je comprends pas pourquoi il te fait autant de mal. T'es tellement une bonne fille. Maxime est sous le choc. Annick lui a dit au cours de la soirée que Luc était jaloux et agressif. Mais Maxime ne se doutait pas que sa violence pouvait être aussi sérieuse. Je pense vraiment que pour lui, c'était pas correct ce qui se passait. Il a voulu prendre part à ce que la petite fille vivait avec lui. Toujours sans arrière-pensée. Et peut-être, je vous dis pas qu'il n'y avait pas des sentiments pour la fille. Je le sais pas s'il y en avait. Mais je pense sincèrement que Maxime, son idée était que pour lui, un homme qui frappe une femme, pour lui, c'était pas toléré. Maxime propose à Annick de se réfugier chez lui. Mais la jeune femme décline l'invitation. Le jeune homme lui offre alors de la venger. Et si tu veux, il dit, je peux écrire une volée, ça me dérange pas, tu vas faire un tour de valise. Moi, j'ai répondu, ben, fais pas ça, c'est de la violence par la violence, ça sert à rien. J'ai noué, je vais le quitter, fait que ça sert absolument à rien que tu te mettes en danger pour moi ou quoi que ce soit. Puis il m'avait promis de rien faire, qui était pour me laisser faire. Sur ces derniers mots, Maxime et Annick s'embrassent à nouveau. Comment réagira Luc s'il apprend l'infidélité d'Annick avec celui qu'il considère comme son nouvel ami? Maxime osera-t-il mettre ses menaces à exécution?
Le 23 novembre 2011, Maxime Fosse apprend que son nouvel ami, Luc Junior Lavoie, maltraite sa copine. Le soir même, après avoir eu une relation sexuelle, Maxime et Annick se promettent de se revoir le lendemain. Au courant de la nuit, Annick va se lever très tôt à 3 heures du matin après cette relation sexuelle-là et elle va quitter. Donc, c'est à l'insu, évidemment, de Luc. Annick est toujours en couple, en théorie, donc elle ne veut pas attirer l'attention, donc ne va pas coucher là, va retourner chez elle. Je me suis couchée. Puis je me suis réveillée le même matin quand Luc m'a téléphoné pour me dire qu'il avait passé la nuit dans un poste de police, qu'il s'était fait arrêter au bar pour une bagarre. Que, je vais t'attendre. Puis il est arrivé peut-être vers midi à 1h. Mais plutôt que d'annoncer à Luc qu'elle souhaite le quitter, Annick passe l'après-midi à regarder des films avec lui. Le soir venu, ils partent faire la fête dans un bar avant de rentrer aux petites heures du matin. Dans l'après-midi du 25 novembre, les deux se lèvent encore éméchés. On se met chacun sur nos ordinateurs. On va sur Facebook. Moi, je regardais des films en ligne. Lui, je sais pas trop ce qu'il faisait, sûrement en train de parler à d'autres filles. En fin d'après-midi, Maxime contacte Annick. Elle craint aussitôt que Luc découvre leur conversation, mais ne peut réprimer son envie de lui répondre. Il me demandait comment ça avait été avec Luc le soir. Parce que j'ai remarqué sur mon Facebook que je m'étais très amusée, que j'ai passé la soirée au bar, que je me disais, ah, c'est le fun, t'as pas pensé à moi. Bon, je m'excusais, puis que j'étais pour aller le voir plus tard. Puis, alors que Luc lui demande de l'argent pour s'acheter une boisson énergisante, Annick est prise de court. Elle n'a plus d'argent. Et la pire de ses craintes se réalise. Okay. J'ai offert d'aller à sa place parce que j'avais très peur que Maxime raconte ce qui s'était passé entre lui et moi. Je me suis dit, ils m'ont mangé une mousse bolée. Fait que, il a refusé. Et je vais y aller. À son appartement, Maxime prépare une fête. Avec son ami Guillaume, ils commencent à boire et font des listes de lecture sur l'ordinateur. C'était préparé comme une petite fête là, ensemble avec quelques amis. Et cette partie-là devait avoir lieu vers 7h15. Il était très, très heureux, très emballé. L'ambiance est déjà à la fête quand Luc fait son apparition dans l'appartement. Maxime lui offre une bière et les trois jeunes hommes bavardent tranquillement. La soirée s'annonce bien, quand, contre toute attente, Maxime décide de confronter Luc sur les violences qu'il fait subir à Annick. Quand Maxime va lui sortir comme un lapin de chapeau, cette violence-là, ça a probablement été un élément, un effet de surprise assez important pour lui. Ça a dû créer un malaise ou en fait une ambiance très insécurisante pour Luc. Luc nie tout. Mais Maxime ne lui laisse pas la chance de s'expliquer. Il hausse le ton d'un air menaçant. Quelques instants plus tard, Annick fait son apparition. La jeune femme remarque aussitôt la tension qui règne dans l'appartement. Qu'est-ce que tu fais? Ils ont ça de la gueule. Ah! Puis c'est là que Maxime a commencé à poser des questions. Il dit, tu bats ta blonde, t'es pas correct, tu devrais en prendre soin, demande-toi pas pourquoi qu'elle veut te crisser là. Malgré la présence d'Annick, Luc nie toujours l'avoir frappé. Il craint que la situation ne s'envenime. Luc me regardait avec des yeux, avec des couteaux dans les yeux. Là. Je me rappelle vraiment avoir eu peur qu'il parte après moi. C'est pas vrai, dis-y que je t'ai jamais touché. Puis si je me souviens avoir répondu, c'est quoi, si t'en souviens pas, là? La présence de Maxime donne du courage à Annick, qui, pour la première fois, tient tête à Luc. Les échymoses qu'elle dévoile sont autant de preuves de la violence et du mépris qu'il a envers elle. Luc est pris au dépourvu. Ne sachant plus trop comment réagir pour se sortir de l'impasse,
il insulte Annick et sort de l'appartement en prétextant vouloir prendre de l'air. Il demande à un moment donné d'aller dehors sur le balcon prendre l'air parce qu'il se sentait pas bien. J'ai mal au cœur, je vais être malade. Fait que Maxime accepte, ma condition que Guillaume le suive, qu'ils vont sur le balcon. Moi, j'ai resté dans l'appartement, sur le bord de la porte des toilettes, et j'entends dire Guillaume, Chris, il sauve. Fait que là, j'ai vu Maxime partir en courant vers dehors. Maxime rattrape Luc de justesse et parvient à lui bloquer la route. Il le force à retourner à l'intérieur. Les deux jeunes hommes remontent. Luc monte le premier, suivi de Maxime. Donc, retourne à l'appartement. Et ce qu'on peut déduire un peu de la situation, c'est que là, à un moment donné, Luc se sent un peu pris au piège. Il se ramasse avec deux individus, probablement en boisson. La journée a été relativement longue. Tout le monde a bu un peu. Maxime, il disait, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur d'aller en prison 2-3 ans pour toi. Maxime invite Luc à se battre. Et devant le refus de ce dernier d'en venir au point, ses commentaires deviennent plus acerbes. Il y a différents chemins qui peuvent mener à la violence. C'est certain qu'il y a des chemins qui mènent à une sorte de violence qui est impulsive. Et puis, il y a d'autres chemins qui mènent à une violence qui est beaucoup plus du côté, si on veut, de la domination, du triomphe sur sa victime. Donc, dans ce chemin-là, c'est un chemin qui est souvent basé sur un sentiment de manque, un sentiment d'être privé, un sentiment de ne pas avoir ce qu'il faut. Et dans ce vécu-là, il y a beaucoup d'envie, une impression que les autres ont ce qui nous fait défaut. Les insultes et l'agressivité de Maxime effraient Luc à un point tel qu'il se soumet maintenant à sa volonté. Et une façon de ne pas trop ressentir ce manque-là, cette envie-là, mais c'est justement de chercher à renverser les rôles et à exercer auprès des gens qu'on voit comme ayant ce qu'on voudrait avoir, mais une position de domination. Et cette domination-là, bien, s'exprime de toutes sortes de façons. Ça s'exprime à travers le contrôle, ça s'exprime à travers le triomphe sur l'autre, et ça s'exprime à travers cette humiliation qui est si caractéristique d'une forme de violence qui est une violence qui est beaucoup plus, on peut dire le mot sadique. Maintenant à l'abri des regards et entièrement sous le contrôle de son agresseur, Luc trouvera-t-il le moyen d'apaiser la soif de vengeance de Maxime? Le 25 novembre 2011, Maxime Foss affirme vouloir venger Annick Lapierre des violences que lui fait subir son petit ami, Luc Junior Lavoie. Maxime multiplie les injures et le ton monte. Il devient violent physiquement et pousse Luc à plusieurs reprises. Mais ce dernier refuse de répliquer et encaisse les coups. Maxime projette Luc dans la salle de bain et le blesse. Le voyant se tordre de douleur, il se tourne vers Guillaume et les deux jeunes hommes se moquent de lui. Luc est tombé sur un lavabo. Il était 2-3 minutes couché à terre, puis qu'à respirer, il avait le souffle coupé, il avait un gros bleu dans le dos. Il a fini par se relever, puis il demandait pardon à Maxime. « Je veux pas me battre, t'es mon chum. Je veux pas me battre avec toi. Je te demande pardon. » Maxime ne veut rien entendre des excuses de Luc. Il lui ordonne de s'agenouiller devant Annick et de s'excuser. Terrifié, le jeune homme s'exécute et demande des excuses à Annick. Je savais pas quoi répondre. Je voulais dire oui, mais je voulais dire non en même temps. J'étais mêlée par rapport à toute la situation. J'avais peur qu'il y ait quelque chose. Je savais pas qu'est-ce qui se passait en tant que tel. Je savais plus rien. J'étais figée. Luc se relève péniblement et se retourne vers Maxime pour lui demander la permission de parler à Annick en privé.
Au moment où Annick et Luc se retirent dans la salle de bain, ce qu'on peut déduire de l'événement ou ce qu'on peut supposer, c'est que Luc sentait la soupe chaude. Voyait Annick qui n'était pas très proactive dans sortir du pétrin, donc essayer de sortir Luc de la situation, de sortir de l'appartement tout le moins. Les hostilités avaient déjà un petit temps mort, c'était l'occasion de sortir. Luc se fâche contre Annick, qu'il tient responsable de la situation. Mais il change d'attitude lorsqu'elle s'apprête à répliquer. Luc me regarde, dit « Va à la maison, appelle la police, il va me tuer. » Sur le coup, j'ai pas réalisé qu'il avait vraiment peur. Donc je me suis dit « Arrête, là, il veut juste te faire peur. » C'est une soirée qui apparaît comme étant tellement particulière, dans le sens où, d'un côté, on a quelqu'un qui semble avoir extrêmement peur de mourir, qui le dit à plusieurs occasions, qui demande à sa copine d'intervenir pour appeler les policiers, qui exprime clairement « je veux pas me battre », qui cherche à fuir. Donc, on a l'impression d'être d'un côté devant quelqu'un qui a une lecture de la situation qui est d'une situation qui est extrêmement dangereuse. Et d'un autre côté, on a l'impression d'être devant quelqu'un d'autre qui a une lecture de la situation comme étant un jeu. C'est une sorte de jeu. Annick et Luc sortent de la salle de bain et la jeune femme quitte l'appartement sous les yeux emplis d'espoir de Luc. Mais en attendant son retour avec de l'aide policière, Luc doit faire face à Maxime. Le jeune homme saisit une nouvelle fois Luc à la gorge et le plaque contre le mur. Quelques instants plus tard, Annick réapparaît dans l'appartement. Maxime lâche son emprise et Luc tente de reprendre son souffle. Suffoquant, il se tourne vers Annick à la recherche d'une présence policière. Mais elle est revenue seule. J'ai toujours pensé qu'il avait juste voulu lui faire peur. Je peux pas croire qu'il aurait voulu le tuer. Malgré qu'il me l'a dit qu'il pouvait le tuer, que ça ne dérangeait pas, mais bon, je me suis dit, il essaie juste de se vanter pour m'impressionner. Maxime somme Luc de se mettre une deuxième fois à genoux pour demander pardon à Annick. Et Luc s'exécute de nouveau, espérant que cela le calme. C'était jamais correct pour Maxime, peu importe ce que Luc faisait, qu'il s'excusait, se mettait à genoux, demandait pardon, pleurait. Il n'y a rien qu'il faisait. La tension monte encore d'un cran. Maxime saisit un couteau et menace Luc dangereusement. Je vais te découper mon hostie, puis j'ai figé, j'étais voyant, ça se peut pas qu'il fasse ça. Qu'est-ce qui se passe? Fait que Luc, probablement qu'il a eu peur à sa vie, il a couru vers Maxime pour y arracher le couteau. Mais Maxime est trop rapide. Il dépose le couteau et se déchaîne sur Luc en lui portant plusieurs coups de poing. Je me suis mis entre les deux, je me suis avoir mis les bras chacun sur leur torse pour les séparer. Maxime, je me souviens, il m'a poussé, je suis tombée sur Guillaume. Puis j'ai entendu un grand cri, je me suis retournée les yeux, puis il y avait du sang partout. Annick lève la tête et s'aperçoit que Maxime perd une grande quantité de sang. Je me rappelle avoir tourné les yeux, d'avoir vu Maxime avec plein de sang sur lui. Je me rappelle qu'il y avait une plaie au visage, une à l'épaule, une au torse, mais je me souviens pas vraiment où. Puis j'ai vu les yeux à Maxime. Ça va rester gravé, rester dans le fond de ma mémoire le restant de mes jours. Les yeux qu'il a fait. Puis il a pris panique, puis il s'est sauvé. Puis Luc est parti à la cour après, derrière lui. Guillaume est sorti aussi, il m'a regardé, il dit « Reste pas là, on va se faire arrêter. » Mais moi, j'étais figée là, je savais pas quoi faire.
Les deux hommes prennent alors des chemins différents. Après l'agression, donc, Maxime se retrouve à la boucherie, ensanglanté. Luc, pendant ce temps-là, lui, se dirige, retourne chez lui, retourne à son appartement et va contacter les policiers en mentionnant qu'une agression vient d'être commise. Donc, les policiers se présentent. Luc va à leur rencontre, sort à l'extérieur et à l'arrivée des policiers, va donner la version des faits. Après avoir bafouillé quelques mots incompréhensibles, Luc mentionne à l'enquêteur qu'il n'est pas la victime de l'incident et que c'est lui qui a poignardé Maxime Fosse. Il est aussitôt mis en état d'arrestation. Annick assiste à la scène. Quand je suis sortie, j'ai vu Luc me noter. Je me rappelle pas grand-chose de ce moment-là, j'étais vraiment en état de choc. Je me rappelle que une policière qui m'a pris par le bras et m'a rentré de force dans le bloc parce que apparemment je criais, je pleurais. Pendant ce temps, des ambulanciers arrivent à la boucherie où Maxime s'est réfugié. Maxime Fosse est dans un état critique. Il est grièvement blessé. Survivra-t-il à cette violente altercation? Le 25 novembre 2011, Luc Junior Lavoie est arrêté pour avoir poignardé Maxime Fosse lors d'une violente dispute. Ce dernier, toujours vivant, s'est réfugié dans un commerce à proximité pour obtenir des secours. À la boucherie, le mur a une bonne éclaboussure où il a probablement perdu pied ou s'est appuyé avant de rentrer dans le commerce et bonne mort de sang évidemment sous la chaise dans le commerce. Où il s'est affaissé là, avant l'arrivée des policiers. Il a été pris en charge par les ambulanciers à cet endroit-là. Il a été conduit rapidement à l'hôpital. Quelques heures plus tard, vers 3 heures du matin, la mère de Maxime reçoit la visite de policiers venus lui apprendre la terrible nouvelle. J'étais bouleversée. D'un, je ne m'attendais jamais à avoir une visite comme ça. Et de deux, j'étais fatiguée premièrement de ma soirée. Je venais de terminer mon travail. Et là, je me suis mis à trembler avec ces informations-là. J'étais incapable de parler. La mère se rend au chevet de son fils qui gît entre la vie et la mort. Maxime a reçu 9 coups de couteau, dont certains ont atteint des organes vitaux. Le pronostic des médecins est sombre. Dû au coup qu'il a reçu, il pense qu'il aurait probablement une hémorragie interne et qu'ils doivent rouvrir, mais que malheureusement, s'il procède à la procédure d'ouvrir pour aller voir en dedans, il y a un danger de le perdre sur la table, mais que s'il ne rouvre pas, ils vont le perdre de toute façon. Entre-temps, les enquêteurs interrogent Luc Junior Lavoie afin d'obtenir sa version des faits et tente de déterminer comment Luc en est arrivé à poignarder Maxime. Je me suis relevé, il m'a pogné à la gorge, il m'a crissé dans le coin à terre. C'est là que j'ai eu noir, puis là, c'est là que je prends le bout. J'ai parti, clac, 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 je rentrais dedans. J'ai fait le fuck off, il n'y a plus rien à faire, regarde, faut que je parte après, j'ai pas le choix, faut que je me défende. Je voyais plus aucune solution possible autour. Même si j'aurais essayé de me sauver, il a dit, je vais aller te chercher en bas, me piquer mon estime. Dans le fond, c'était pas simplement le fait de vouloir le blesser. Je voulais pas le tuer non plus. Mais j'étais écœuré qu'il me traite comme de la merde, bien. Écœuré. Le 26 novembre, à 12h30, après plus de 12 heures passées sur la table d'opération, les médecins apprennent aux parents de Maxime Fosse qu'il n'y a plus d'espoir de le revoir conscient. J'ai regardé le père à Maxime et j'ai dit, écoute, je pense que notre fils a assez souffert. Je pense que de lui demander de se battre encore un peu plus, ça va absolument rien changer. Je savais que les dommages seraient très grands. Les parents de Maxime prennent alors la décision déchirante de le laisser partir. On était tous dans la chambre avec Maxime. Mes enfants, mon conjoint actuel, le père de Maxime, accompagné de sa blonde, mes sœurs et frères étaient tous présents. Maxime est parti en douceur et dans les mains de son père et sa mère. Quelques heures plus tard,
des enquêteurs communiquent avec la mère de Maxime. Et c'est là que les enquêteurs m'appellent pour me dire, « Madame Ménard, vous pouvez récupérer l'appartement de votre fils. L'enquête est terminée dans son appartement. » Donc, nous, on arrive sur la 105e avenue et l'enquêteur m'attend au bas de l'escalier de l'appartement de Maxime, me dit que ce que je vais voir rendu en haut, ça sera pas facile pour moi. Je me sentais pas bien là-dedans parce que, de un, je viens de débrancher mon garçon. De deux, je me ramasse dans une scène de crime. Le sang de mon fils est partout ses murs. Écoutez, c'est pas des choses faciles à vivre quand on est une mère, puis que nos enfants grandissent, perdent la maison, on est obligé de voir des choses comme ça. C'est pas pantoute la vie que j'avais espérée pour mon garçon, là. Le 16 décembre 2011, l'enquête préliminaire de Luc Junior Lavoie débute au palais de justice de Drummondville. Des détails de son enfance refont alors surface. Très tôt, Luc Junior Lavoie aurait développé des problèmes de comportement. Luc Junior Lavoie, en fait, a été élevé par une mère adoptive, a fait plusieurs centres d'accueil, centres d'hébergement. Problème de bipolarité, problème de comportement, donc on va passer d'un extrême à l'autre. Quelqu'un de très jovial à quelqu'un de très agressif. Rentre difficilement en contact avec les gens, de ce qu'on en sait, ce qui a été mentionné. Ce qu'on apprend, c'est que c'est un gars quand même timide, mais une fois que cette barrière-là est dépassée, devient rapidement contrôlant. C'est un garçon, probablement, que vu qu'il n'a pas eu une vie stable, je pense que c'est un petit gars qui est hypothéqué par la vie. Je pense que c'est un petit gars qui était malheureusement pas aimé comme on doit aimer ses enfants. Et je pense que c'est ça la rage qu'il avait en dedans de lui. Et c'est probablement une rage qu'il n'a pas été capable de contrôler. Et ce qui me déçoit le plus, c'est que ça a coûté la vie de mon enfant. Les enfants qui vivent dans un milieu où il y a beaucoup d'adversité, hein, que ce soit sous la forme de négligence, parfois de maltraitance, si on veut, font face déjà à des éléments qui peuvent avoir un impact très négatif sur leur vie. On sait, par exemple, que le fait d'être placé très jeune, de vivre des séparations avec les premières figures d'attachement, que ça constitue des facteurs de risque pour le développement, d'avoir des perturbations dans le développement, et encore plus précisément pour présenter par la suite des problèmes de développement du côté là, des troubles de comportement, éventuellement de la délinquance. Le 4 novembre 2013, 2 ans après le meurtre de Maxime Fosse, Luc Junior Lavoie, alors âgé de 25 ans, plaide coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré. Il écope d'une peine de 7 ans d'emprisonnement. De mon point de vue, en connaissant mon fils, je peux vous dire que je pense que si Maxime a sorti le couteau, je pense parce que c'est lui qui a eu peur pour sa sécurité. Mon fils, c'était pas un petit gars qui aimait se battre. C'est sûr que si on l'attaquait, il ripostait. Mais dans ce qu'on a entendu à la cour et que je suis sincère, je pense pas que Maxime est la cause de sa mort. Je pense qu'il a voulu rendre justice à cette demoiselle-là et que ça lui a coûté sa vie. Les témoins d'une altercation devraient toujours réagir avant que la situation ne dégénère. Un mot, un geste ou un appel à l'aide sont souvent suffisants pour apaiser les esprits et ainsi éviter une escalade de violence. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Ils ont la rage, sont déviants et habités par le mal. Enfant tueur, dans un instant, au Vendredi policier.
comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. J'aimerais que Jason m'explique qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi tu es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui a fait que tu as touché le bas fond comme ça. C'était quoi ta raison? Mais quand on est rendu, qu'on est obligé de prendre une drogue pour éviter les effets secondaires de l'autre drogue, notre problème empire. Au départ, je pense qu'on faisait confiance aux enquêteurs, à l'enquête qui était menée. Puis on se disait, ils vont faire leur boulot, puis ce sont eux les professionnels, puis ils savent ce qu'ils ont à faire. Bien, on finit par se dire, dans le fond, que c'est un meurtre prémédité, mais qu'ils n'ont pas les éléments de preuve pour le prouver. Le matin du vendredi 22 octobre 2004, Jason Sean Fresco, 21 ans, et sa petite amie Geneviève, 20 ans, se promènent au centre-ville de Shawinigan. Ils vont rejoindre quelques amis. Un mois plus tôt, Jason a quitté l'appartement de sa sœur aînée à Montréal pour emménager avec Geneviève à Shawinigan. Mais la grande ville lui manque. Au début, il ne m'a pas appelé. C'est comme... Pour lui, c'était comme de prouver que oh oui, je suis indépendant. Puis, okay, mais à un moment donné, ça a pris peut-être un deux semaines. J'ai eu un coup de téléphone. Puis il me disait qu'il n'aimait pas ça là-bas, qu'il trouvait ça difficile, qu'il n'y avait pas d'emploi. En quittant le restaurant, le couple décide d'aller à Montréal visiter la grand-mère de Jason. Ils partent sur le pouce. Dès qu'ils arrivent à Montréal, Jason appelle sa sœur, Elena, pour qu'elle vienne les chercher. Le matin, je me dis, je suis contente, mon frère est revenu. T'sais. Ça faisait un mois qu'il était parti, puis j'étais contente. Elena ramène Jason et son amie Geneviève à la maison et les garde à souper. En soirée, ils écoutent un film. Elena remarque la main blessée de son frère. Il y avait quelque chose à sa main. Il y avait comme une coupure où il y avait quelque chose à sa main. Hey, qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Puis il a dit, j'ai un accrochage. Elena ne s'en formalise pas. Après le film, ils vont tous se coucher. Il dort chez moi avec son ami. Et puis, le lendemain, il me dit, je vais appeler Daddy, notre père. Je vais appeler Daddy, puis il dit, il faut que je lui parle. Puis là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ben parfait, il va aller voir pour des appartements, parce que c'était ça, tu sais, il se remet sur pied. Elena espère secrètement que Jason revienne vivre à Montréal. Le lendemain, le 23 octobre, elle laisse son frère vaquer à ses activités et elle quitte pour la journée. Jason téléphone à son père pour lui dire qu'il va passer le voir. Pendant ce temps, dans l'appartement de Jason et Geneviève à Shawinigan, un jeune garçon de 13 ans, dévêtu, gît dans la baignoire. Il est mort. Le 23 octobre 2004, Janine Millette est dans tous ses états. Son fils de 13 ans, Mathieu, a quitté la maison l'avant-veille en après-midi et il n'est toujours pas rentré. C'est un petit garçon qui était très sociable, très humoristique. Il aimait l'humour ridicule, faire des choses extrêmes, des sports extrêmes. Il était dans les cadets, son rêve c'était de devenir un soldat. Puis il tenait beaucoup à ça. Puis je pense qu'il l'aurait réalisé. Deux jours plus tôt, le 21 octobre 2004,
Mathieu s'ennuie ferme à la maison. Mathieu voulait aller voir des amis. Puis il y avait un plâtre. Ça faisait 2 jours qu'on était allé à l'hôpital. On avait fait mettre son bras dans le plâtre parce que son pouce était cassé. À ce moment-là, ben, il ne pouvait pas aller à l'école parce qu'il n'était pas capable d'écrire. Il n'était pas capable de rien faire. C'était sa main d'usage qui était dans le plâtre. Alors, il est parti pour aller voir des amis l'après-midi, mais c'est ça, il n'est jamais revenu. Depuis 48 heures, la mère de Mathieu n'a pas dormi. Et ce soir-là, j'étais quand même inquiète. Puis mon conjoint, ben, il voulait pas appeler la police tout de suite parce qu'il disait, de toute manière, ils vont nous dire d'attendre des causes ou que ça serait une fugue ou, tu sais, des choses de même. Alors, on a attendu un peu, puis on a cherché partout, dans toute la ville. Là, c'est sûr que la pression montait, hein, d'heure en heure. Veux pas, une maman, ça s'inquiète. Puis rendu là, c'était plus de l'inquiétude. Je peux même plus... J'ai plus le mot pour dire comment on se sent, là. Le 23 octobre au matin, le téléphone sonne chez le père de Jason. Monsieur Fresco prend l'appel et se réjouit d'entendre la voix de son fils. Jason lui demande s'il peut passer le voir. Monsieur Fresco accepte avec joie. Jason n'a pas toujours eu des relations simples avec ses parents. Les problèmes de Jason, je crois qu'ils ont commencé à moi, c'est quand il y a eu le divorce de mes parents. On est tous déménagés avec ma mère, puis là, il y a eu des tensions dans la maison. Après le divorce, Jason et ses 2 sœurs demeurent avec leur mère. Jason s'ennuie de son père qu'il voit peu souvent. Il voulait voir mon père, puis ma mère, elle avait dit non, pas pour l'instant, c'est trop tôt, tout est trop frais, reste ici, tu peux pas aller dormir chez ton père. Puis là, ils se sont comme un peu chicanés, veut pas. Puis je pense que c'est là que mon frère a sorti sa frustration. Malgré l'interdiction de sa mère, Jason décide d'aller dormir chez son père. Cette désobéissance est perçue comme de la provocation. Puis ma mère, elle a vu que mon frère pouvait avoir aussi des fois, il y a un mauvais caractère. Et puis ma mère a dit, pour l'instant, je peux pas dealer avec un enfant. T'as du caractère, t'es comme, tu peux pas rester ici. Ma mère, elle a pris les sacs, puis elle est allée porter les sacs chez mon père. Fait que tous les vêtements, mon frère était là. Petit à petit, Jason se désintéresse de ses études. Il commence à consommer de la marijuana. Elena, sa sœur aînée, fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Tous les vendredis, j'allais le chercher, je le ramenais chez moi, et le dimanche, j'allais le reconduire. Fait que c'est là qu'on passait plus de contacts ensemble, qu'on se voyait plus souvent. Et c'est là que j'ai peut-être détecté un peu que je voyais qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Fait que j'essayais de l'aider, puis je disais, ben, tu sais, peut-être pour l'école, tu devrais aller en multimédia, tu devrais aller en informatique. Mais il n'est pas allé. Il n'est pas allé s'inscrire. Fait que mon père a dit, ben, si tu vas pas à l'école, il faut que tu fasses quelque chose. Fait qu'il dit, je vais trouver une job. Fait que c'est là que mon père est intervenu, puis il a trouvé un emploi pour qu'il puisse aller travailler. Monsieur Fresco achète même une voiture à son fils pour qu'il se rende au travail. Le temps passe. Au début de 2004, Jason travaille de moins en moins et consomme de plus en plus. Mon père avait donné un ultimatum, je crois, soit qu'il allait à l'école où il travaillait ou il déménageait de chez mon père. Fait que j'étais dit, je peux te garder chez moi le temps que tu trouves quelque chose pour te replacer. Fait qu'il était demeuré, il travaillait, s'était trouvé un emploi. Jason s'installe chez sa sœur, mais il continue à s'exposer à de mauvaises influences. C'est à ce moment-là qu'il s'est dirigé vers les gangs et que les mauvaises influences ont pris plus d'importance et que c'est ça qu'il a investi. Il y a des périodes où on peut être plus vulnérable et où l'attrait de ces gangs-là peut être plus important et c'est là qu'on peut glisser. Le samedi 23 octobre 2004, M. Fresco se réjouit de la visite de son fils. Jason arrive seul, sans Geneviève qui est restée chez Elena. Il a quelque chose de difficile à lui avouer. C'est à ce moment-là que M. Fresco se rend chez son père et qui lui avoue avoir commis un meurtre à Shawinigan. Jason raconte à son père les circonstances de son crime. Il ne lui cache rien. Il termine en disant que le corps de sa victime, un jeune homme de 13 ans, est encore dans la baignoire de l'appartement de Geneviève à Shawinigan. Puis mon père a dit, tu t'en vas appartenir, tu t'en vas dire ce qui est arrivé et tu vas te rendre. C'est la seule affaire que tu dois faire. Sans hésiter, M. Fresco contacte les policiers.
Il s'informe de la marche à suivre pour que son fils se rende par lui-même. Les policiers du district Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentide ont été mis au courant suite à un appel du père de Jason Fresco. Qui voulait avoir des renseignements parce que son fils lui avait avoué avoir commis un crime grave. Alors, le chef d'équipe aux télécommunications lui a donné les renseignements et monsieur lui a affirmé qu'il se rendrait au poste de la Sûreté du Québec à Mascouche pour une rencontre avec les policiers. Samedi le 23 octobre 2004, en fin de journée, Jason Sean Fresco se livre aux policiers. Quelques heures plus tard, Elena rentre chez elle. J'avais des commissions, j'avais une fête. Fait que j'ai pas passé vraiment la journée là, je suis partie. Et puis, je suis revenue tard le soir, vers 11h30, minuit. Dès qu'elle entre dans la maison, le téléphone sonne. Elle est surprise d'avoir un appel à une heure aussi tardive. Elle s'empresse de répondre. Elena apprend que son petit frère Jason aurait commis un meurtre. C'est comme, tu penses même pas que ça se peut, parce que tu te dis, voyons donc, c'est mon frère, c'est le petit gars qui est comme, c'est le petit geek qui est dans sa chambre, qui est tranquille, qui dit jamais vraiment un mot. T'sais, on se dit, voyons donc, ça se peut pas, là, c'est mon frère. Je peux pas croire qu'il peut arriver un enfant de même. Geneviève, la copine de Jason, est toujours chez Elena. Celle-ci la bombarde de questions. Geneviève reste évasive. Elle pleurait. Puis tu sais, c'était comme, j'étais pas capable d'en savoir. J'avais beau y dire, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pendant ce temps, des patrouilleurs se rendent à la résidence de Geneviève à Shawinigan. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau chez Elena. J'ai eu un appel à ma mère qui me disait qu'elle avait eu des nouvelles de ce qui est arrivé avec mon frère, puis que mon frère est arrêté. Puis elle m'avait dit, tu sais que la police va sûrement venir à la maison, assure-toi que l'ami Jason reste à la maison. Puis à 5 heures du matin, la police est venue. Ils sont venus la chercher. Puis justement, elle a pleuré. Puis ils ont dit, on a besoin d'elle au poste de police. À Shawinigan, les enquêteurs dépêchés à l'appartement de Geneviève découvre le corps nu d'un adolescent dans la baignoire. Dans un sac, il trouve des vêtements imbibés de sang et des papiers d'identité au nom de Mathieu Millette. Madame Millette attend toujours des nouvelles de son fils. Elle a passé la journée à faire des appels pour retrouver Mathieu. Quand elle apprend que celui-ci ne s'est pas présenté à sa réunion de cadets au manège militaire, son inquiétude se transforme en panique. Mathieu adore ses rencontres. Il faut que quelque chose de grave soit arrivé pour qu'il n'y soit pas allé. Que s'est-il passé dans le modeste appartement de Geneviève à Shawinigan? Quand la mère de Mathieu apprendra-t-elle l'horrible nouvelle? Le samedi 23 octobre 2004, Jason Sean Fresco, un jeune homme de 21 ans, reconnaît avoir tué Mathieu Millette, un adolescent de 13 ans, et avoir laissé son corps dans la baignoire d'un logement à Shawinigan. Ce n'est que le lendemain matin que la mère de Mathieu reçoit enfin des nouvelles de son fils, disparu depuis 3 jours. Le matin du 24 octobre 2004, il y a 4 hommes là, en habit et en cravate qui sont venus sonner à ma porte, me demander là, si j'avais un fils qui s'appelait Mathieu, et puis je dis oui. Mais là, en les voyant, je me suis dit, c'est passé quelque chose. Là, je suis venue complètement bouleversée. Puis là, il y en a un qui m'a dit, votre fils est décédé. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme le sang ne circule plus dans mon corps. On se sent vraiment mourir. C'est complètement ça, c'est comme si la vie est partie. Mathieu est le fils unique de Jeannine Millette. Il est sa joie et sa fierté. Jusqu'à tout récemment, Mathieu n'a jamais donné de soucis à sa mère. Par contre, au début de l'année scolaire 2004, Mathieu frappe un camarade qui supposément le harcèle. Il est suspendu de l'école pour quelques jours,
mais comme il ne remplit pas son carnet de conduite, l'école maintient sa suspension. Il semble aussi avoir fait preuve d'insubordination envers un professeur, si bien que le comité de discipline de l'école doit le rencontrer. À Shawinigan, une ville de 50 000 habitants, il y a peu d'activités et de distractions pour les adolescents. Les jeunes se tiennent en groupe et se cherchent des lieux pour se rencontrer. L'un de ces lieux est l'appartement du frère de Geneviève, la copine de Jason. La porte est toujours grande ouverte. Monsieur Millette était un adolescent de 13 ans. Il ne fréquentait plus l'école à temps plein. Alors, il fréquentait par contre le milieu des stupéfiants. Mais c'est un petit peu nébuleux, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées-là. Le locataire principal était un jeune de 17-18 ans. Alors, il y avait beaucoup d'autres jeunes. Mathieu était peut-être le plus jeune, 13 ans, mais il y avait des jeunes de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Un bon groupe de jeunes qui se tenaient là régulièrement. C'était risqué pour eux, mais je pense pas qu'aucun jeune ne le percevait. Et je pense pas que les parents pouvaient nécessairement le percevoir parce que quand ton garçon ou ta fille de 14, 15 ans, 16 ans te dit « Mais je m'en vais chez des amis ce soir », ben, tu te dis pas « Est-ce qu'il est en danger ?» Pourquoi des jeunes adultes début vingtaine se tiendraient avec des adolescents, je dirais même préadolescence, 12-13 ans, ça doit nous questionner. Souvent, c'est des gens, on va le voir, qui manquent de confiance en eux, qui ont besoin de faire affaire avec des gens plus vulnérables, qui vont plus facilement, j'ai envie de dire, impressionner, de qui ils peuvent facilement être le héros. Au début du mois d'août 2004, une nouvelle locataire débarque dans le logement de Shawinigan, Geneviève. Elle a décidé de quitter son appartement de Trois-Rivières pour venir s'installer avec son frère. Quelques semaines plus tôt, Geneviève a fait la connaissance de Jason Sean Fresco. En début d'été, à Saint-Eustache, par hasard, ils se sont connus dans un terminus d'autobus. Et leur relation a débuté comme ça. J'ai rencontré sa copine un dimanche après-midi. Jason, il m'appelle, puis il me dit « Ah, oh, il pleut, tu peux-tu venir me chercher? » Elena va chercher son frère pour le ramener chez elle. Elle est surprise de le trouver accompagné d'une jeune femme. Il ne lui a jamais parlé d'elle. Je lui ai demandé, j'ai dit « Où tu restes à Montréal? Je vais aller te reconduire. » Puis Jason me disait « Elle ne demeure pas à Montréal. » Il dit « Elle vient de Trois-Rivières. » Puis là, j'ai dit « Ben, comment tu fais pour te rendre là si t'as pas de transport? » Fait que là, il dit « Ben, elle fait du pouce pour aller à Trois-Rivières. » J'avais pas une bonne impression. Je sais pas si je vous dis ça, là, mais j'ai vraiment eu comme un frisson. J'ai eu un frisson dans le dos qui m'a passé. Ça se peut que cette conjointe-là ait été pour lui une bouée de sauvetage, qu'il l'a investi énormément, qu'il a peut-être vécu une passion importante pour cette personne-là. Ça, c'est très, très possible. Mais à ce moment-là, c'est comme si on avait tous nos œufs dans le même panier et on devient très, très dépendant de cette personne-là. Avant d'aller les reconduire près de l'autoroute 40 pour qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières sur le pouce, Elena prend son frère à part. J'ai parlé avec mon frère de son ami et puis je lui disais, je sentais pas une bonne affaire avec elle. Je me disais, mais il semble qu'il y a quelque chose de pas correct. Je sais pas, mais je devrais pas la fréquenter. J'aime pas. Tu sais, j'aime pas. Puis il me dit, ah, tu sais pas, t'as connais pas. Le lendemain de son arrestation, le 25 octobre 2004, Jason Sean Fresco comparaît au palais de justice de Shawinigan. Geneviève a affirmé aux policiers qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé durant la soirée du 23 octobre. Elle est donc relâchée. Monsieur Fresco a comparu sous une accusation de meurtre au deuxième degré. À ce moment-là, il a été détenu jusqu'à son enquête de remise en liberté qui s'est tenue le 21 juin 2005. La caution de Jason Sean Fresco est fixée. Son père consulte Elena et il décide qu'une remise en liberté bien encadrée est ce qu'il y a de mieux pour Jason. Monsieur Fresco débourse 2 000 $ et s'engage pour un montant additionnel de 10 000 $. Elena accepte de prendre son frère chez elle. Jason est libéré, mais il a de nombreuses conditions à respecter. Dont celle de ne pas entrer en communication avec les témoins de la cause. Il devait suivre une thérapie.
Et il devait demeurer à une adresse qu'il a donnée, qui se trouvait être l'adresse de sa sœur. Il suivait bien les règles, tout était correct. Il y avait un couvre-feu qui devait rentrer à une telle heure. Bon, il y avait des trucs à respecter, puis c'était correct. Puis Jason, ben, il s'était trouvé un emploi dans un shipping. Puis il était correct avec ça, tu sais. Puis ça lui faisait un petit peu d'argent, puis bon, des trucs comme ça pour s'acheter des trucs informatiques. Puis tout allait bien, sans histoire. Durant les premiers mois, le jeune homme suit une thérapie. Il semble décidé à prouver à tout le monde qu'il est sur la voie de la réhabilitation. Tout laisse croire qu'il a coupé les ponts avec Geneviève. À un moment donné, il me dit, j'ai besoin des sous. Là, il dit, j'ai pas eu ma paye encore, et tu voudrais-tu me prêter des sous? Ou... Fait que là, j'ai dit, ben oui, oui, y a pas de problème. Je vais à la banque, mais je dis, tu sais, ça, c'est l'argent de mon loyer. Là. Fait qu'il m'a dit, oh, y a pas de problème, je vais te le remettre. Puis finalement, on est allé à la banque ensemble, puis je lui ai donné des sous. Puis là, lui, il a dit, OK, ben on se voit tantôt. Jason part de son côté, tandis qu'Elena retourne à l'appartement. Le soir venu, Jason n'est toujours pas rentré. Elena a confiance qu'il respectera son couvre-feu, d'autant plus qu'il doit se présenter à la cour le lendemain matin, 2 septembre 2005. Elle va se coucher sans l'attendre. Quand je me suis réveillée, que j'ai vu qu'il n'était pas dans le salon. Fait que là, j'ai dit, ah! Fait que là, il y avait un... Le couvre-feu n'avait pas été respecté, puis j'ai dû appeler la police pour dire, ben là, Jason n'est pas rentré. Les enquêteurs hésitent à révéler à Mme Millette que Jason est en fuite. Les enquêteurs me l'ont pas dit sur le coup parce qu'ils savaient que, bon, là, je paniquerais peut-être. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis devenue très anxieuse, oui, justement. On le laisse quitter. On le laisse en liberté pendant les procédures. On l'oblige à suivre une cure de désintoxication, 3 mois. Il a suivi sa petite cure. Qu'est-ce qu'on apprend quelques semaines plus tard? Et la police me téléphonait à l'occasion pour savoir si j'avais des nouvelles de Jason. Puis je leur disais non. Puis ils disaient, est-ce qu'ils vous envoyaient un courriel? Parce que, vous savez, on peut retracer les courriels, de la provenance. Puis je disais, non, j'ai pas rien. J'ai aucun contact de Jason. Puis finalement, je leur ai dit. J'ai dit, j'ai quelque chose en arrière de la tête. Je vous dis à la police que si vous trouvez son ami à lui, j'ai dit, peut-être que vous allez trouver lui. Dans les jours qui suivent, les policiers découvrent que Geneviève manque elle aussi à l'appel. Et ce, depuis environ la même date que Jason. Il devient de plus en plus évident qu'ils ont concocté un plan pour s'enfuir ensemble. La famille Millette s'inquiète des représailles. Et la mère de Mathieu se demande si les policiers parviendront à retracer le présumé meurtrier de son fils. Justice sera-t-elle rendue pour la mort de Mathieu? Le 24 octobre 2004, le corps du jeune Mathieu Millette, 13 ans, est retrouvé nu dans la baignoire d'un appartement de Shawinigan. C'est là qu'il a fait la connaissance de son meurtrier, Jason Sean Fresco, âgé de 21 ans. Cet appartement est occupé par Geneviève, la copine de Jason et son frère. Mais il est fréquenté par les jeunes de la petite ville. La blonde de Jason Sean Fresco est venue habiter à cet endroit-là avec son frère. Puis Mathieu connaissait son frère. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient là, dont des jeunes de l'école secondaire qui connaissaient Mathieu, que Mathieu fréquentait à l'école, qui se tenaient toutes là en gang. Puis c'est comme ça que Mathieu a rencontré la blonde de Jason Sean Fresco. On n'en sait pas plus. On sait que c'était des connaissances, mais on ne peut pas savoir exactement là, la relation exacte. Chose certaine, Mathieu passe beaucoup de temps à l'appartement de Geneviève et de son frère. C'est sûr que le fait de fréquenter, pour un jeune comme Mathieu Millet, fréquenter des gens beaucoup plus âgés que lui, ben, lui donne des idées de personnes plus vieilles également. Là. Selon la version de M. Fresco, Mathieu Millet lui avait dit qu'il avait 16 ans alors qu'il avait 13 ans. À cette époque, Geneviève vient régulièrement à Montréal passer du temps avec Jason. Elena commence à trouver que la jeune femme prend beaucoup de place dans sa vie et celle de son conjoint. Elle venait beaucoup chez nous. Puis à un moment donné, ben, mon salon s'était rendu comme
comme une chambre d'hôtel, là. Et puis c'est là qu'il y a un moment donné, mon conjoint, dans le temps, et mon frère, ils ont eu comme une discussion, puis ça a comme pas bien, ça a pas bien tourné. Et c'est là mon frère a dit, je m'en vais. Il dit, je me sens pas bienvenue. Jason décide de déménager. Puis mon frère faisait ses valises, puis j'ai dit, ben, où tu t'en vas? Il dit, je me suis chicanée avec ton chum, puis je m'en vais à Trois-Rivières. Puis j'ai dit qu'il était pas obligé de partir, qu'il pouvait rester, que lui, je l'accueillais. C'était mon frère, mais qu'elle, je la voulais pas chez moi. Elena accepte d'aller le reconduire chez Geneviève, mais elle a un mauvais pressentiment. Je tremblais, j'avais des frissons, je vous le dis. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était comme pas correct, que ça allait là-bas. Qui devait rester ici, avec moi. Puis je me suis asseoir, rendue là-bas, puis je disais, t'es pas obligée. Tu peux t'en retourner à Montréal avec moi, t'es pas obligée de rester ici. Il a dit, non, mon choix est fait. Je vais rester ici, puis je vais m'arranger. Le début de leur relation en appartement a débuté le 27 septembre 2004. Et c'est à ce moment-là que leur relation a commencé à être plus sérieuse. Influencé par Geneviève et l'ambiance générale de l'appartement, Jason consomme de plus en plus. La marijuana est accompagnée de drogues plus costaudes comme la cocaïne. On parle d'individus qui, à ce moment-là, dans leur vie, il n'y a pas beaucoup de repères qui tiennent. Là. Deux individus qui consomment de la drogue, deux individus qui sont en marge de la société, l'influence qu'ils vont avoir un sur l'autre, ce serait difficile d'imaginer qu'un des deux va s'en sortir comme ça. Là. C'est plutôt de partager le malheur. Là. Le couple avait une problématique de consommation de drogue régulière, consommait cocaïne, de la pinotte et de la marijuana. Mathieu était rendu dans quelque chose qui était beaucoup plus gros que lui. Est-ce que Mathieu a vu des choses? Est-ce qu'il a entendu des choses? De gens qui étaient dans le milieu de la drogue? Non, le couple n'était pas vraiment connu du milieu policier. Par contre, eux fréquentaient des gens dans le milieu criminel pour obtenir leur drogue, mais ils n'étaient pas connus du milieu policier de Shawinigan. En septembre 2005, un peu moins d'un an après le meurtre, les policiers cherchent activement Jason et Geneviève, partis en cavale. Au même moment, à l'autre bout du pays, à Banff, en Alberta, deux jeunes Québécois débarquent. Il s'agit bien du couple recherché. Le jeune homme se trouve un emploi comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide, mais travaille sous une fausse identité. Il profite de la vie agréable de cette station touristique très fréquentée. Ils sont persuadés d'avoir laissé leur passé derrière eux. Suite à l'enquête policière, nous avons localisé M. Fresco dans l'Ouest canadien, en Alberta. Alors, à ce moment-là, nous avons rencontré un procureur des poursuites criminelles et pénales afin qu'ils émettent un mandat pan-canadien, un mandat d'arrestation. Lorsque ce mandat-là a été émis, le mandat a été transféré aux autorités de l'Alberta, qui, eux, ont procédé à l'arrestation de Jason Fresco. Suite à cette arrestation-là, M. Fresco a dû comparaître dans la province de l'Alberta. Et par la suite, nous, les policiers du Québec, nous sommes allés le chercher directement aux autorités de l'Alberta. Le 13 septembre 2005, Jason Sean Fresco est à nouveau mis en état d'arrestation. Cette fois encore, aucune accusation n'est portée contre Geneviève. Les conditions s'appliquaient à M. Jason Fresco seulement. Alors, Madame ne pouvait pas être accusée d'être en compagnie de M. Fresco, mais M. Fresco, lui, étant donné qu'il était sous une ordonnance, sous engagement, lui pouvait être accusé. Et d'ailleurs, il a été accusé de bris de conditions. Là, je me suis dit, c'est toi, tu t'es puni toi-même, parce que là, le juge, il te fait plus confiance. Puis tu vas rester en dedans jusqu'à ton procès. Je dis, là, tu travaillais, tu avais une certaine liberté, tu avais quand même quelque chose de bien. Cette fois, Jason Sean Fresco est incarcéré en attendant son procès. La famille de Mathieu espère qu'il va enfin répondre de ses actes pour le meurtre de l'adolescent.
Après sa tentative de fuite ratée, Jason Sean Fresco fait enfin face à la justice pour le meurtre du jeune Matthew Millett. Il n'a jamais dérogé à la version des faits qu'il a donnée aux policiers lors de son arrestation en 2004. Cet après-midi-là, Jason Sean Fresco, il a appelé au 911 pour dire qu'il y avait des rôdeurs. Puis, il a demandé aux policiers de ne pas aller sur les lieux. Il a dit « Venez pas, venez pas ». Selon la version de Fresco, ce jour-là, le 21 octobre 2004, le couple consomme beaucoup. Et cette journée-là, ils ont consommé abondamment. Ils ont pris leur souper. Et après le souper, ils ont reconsommé de nouveau des stupéfiants. Madame a consommé du speed, de la pinotte, et monsieur a consommé de la cocaïne. Quelques heures auparavant, Mathieu quitte son domicile à vélo pour aller voir des amis. Madame Millett croit qu'il veut en profiter pour récupérer un marteau qu'il dit avoir prêté à un copain. Toujours selon Fresco, après le souper, Geneviève et lui se dirigent vers la chambre à coucher. Ils se mettent au lit. Et c'est à ce moment-là que, peu de temps après s'être couchés, ils ont entendu un bruit venant de la porte avant du logement. C'est sûr que si on est fortement intoxiqué, on peut devenir paranoïde. On peut avoir l'impression qu'on est menacé et qu'on a besoin de se défendre. Ça peut même aller jusqu'à si on se défend pas, c'est notre vie qui est en danger. Donc, il faut absolument se défendre. Ça peut créer ce genre de confusion-là. Et M. Fresco s'est levé, est allé vérifier dans le corridor qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a aperçu un individu. M. Fresco nous dit qu'un individu se dirige en sa direction avec un marteau dans les mains. Lui, il dit que Mathieu avait un marteau dans les mains, mais il dit qu'il faisait tellement noir qu'il ne voyait rien, fait que je me demande comment il aurait pu faire pour voir un marteau. Puis, ça aurait pu être son plan. Fresco prétend qu'à la vue de l'intrus, il a paniqué. Dans le noir, sous l'emprise de drogues puissantes, il cherche une arme pour se protéger. J'ai jamais cru que Jason Sean Fresco était en légitime défense quand il a attaqué mon fils. Mathieu, premièrement, ben il avait un bras dans le plat, qui était pas capable de se défendre, puis encore moins d'aller attaquer quelqu'un. On va pas faire un crime quand on est handicapé de notre bras d'usage, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que c'était pas du tempérament à Mathieu non plus d'aller attaquer des adultes. Il avait 13 ans. Puis, c'était un non-violent. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu l'extincteur. Alors, il s'est empressé de le prendre. Et lorsqu'il s'est tourné de bord, selon toujours sa version, l'individu était rendu près de lui avec le marteau dans les mains et s'apprêtait à le frapper. Alors, c'est lui qui a frappé en premier et à plusieurs reprises avec l'extincteur. L'agresseur n'aurait pas reconnu la personne, se serait senti menacé, se serait senti obligé de se défendre, n'aurait même pas laissé parler la personne et il l'aurait frappé jusqu'à temps qu'elle bouge plus. Oui, peut-être que là, il y a une perte de contact avec la réalité qui reste à déterminer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une intoxication volontaire, donc que la personne doit assumer les conséquences de ce qu'elle fait par la suite. Fresco frappe l'intrus à coups répétés. On ne peut pas déterminer le nombre exact de coups, mais l'autopsie démontre qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs coups à la tête et plusieurs coups, ce qu'on appelle des plaies de défense, sur les bras, les avant-bras. Qu'est-ce qu'un adolescent de 13 ans faisait dans cette maison-là? Est-ce qu'il est entré par effraction ou pas? Est-ce qu'il avait vraiment un marteau dans les mains? Pourquoi il était là? Pourquoi la personne, en l'apercevant, ne l'a pas reconnu? C'est quelqu'un qu'elle connaissait. Pourquoi elle ne lui a pas parlé? Pourquoi il n'y a personne qui n'a rien dit? Le bruit aurait pu alerter Geneviève, mais elle reste dans la chambre. De ce qu'on a comme information, c'est très étrange, puisque la conjointe de l'agresseur serait même pas sortie de la chambre. Elle aurait même pas su qui était agressé et de quelle façon ça se produisait. C'est assez étrange, parce que si notre conjoint est en train de se battre avec quelqu'un, il y a peut-être de la difficulté ou quoi, c'est évident que le réflexe, c'est d'aller voir pour lui venir en aide, c'est arrêter le réflexe. Donc, plutôt quelqu'un qui est passif et qui serait même pas sorti de la chambre pour s'en renseigner, voir ce qui se passe. Écoutez, c'est même difficile à croire. Elle n'a pas porté secours à Mathieu.
Puis si elle l'aurait fait, si au moment du meurtre, elle aurait pu appeler le 911 à vitesse, peut-être que Mathieu aurait pu être sauvé. Il aurait peut-être eu un traumatisme crânien, mais il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mathieu Millette gît sur le sol. Du sang s'écoule de son crâne. Et suite à ça, M. Fresco amène le corps dans le bain, le déshabille, met le linge dans un sac, pack-sac, dans la chambre. Linge qui contient le portefeuille de la victime avec les pièces d'identité. Et il fait le ménage pour enlever le sang aux endroits où il en a trouvé, dans la cuisine et dans la salle de bain. C'est une décision qui a été prise. Ils ont laissé cette personne-là dans le bain. Est-ce que c'était dans le but de réfléchir à ce qu'il allait faire, comment il allait s'en sortir de cette situation-là? Est-ce qu'ils se sentaient coupables puis ils se sont dit on évite plus de troubles en essayant de maquiller tout ça et de le cacher que de le déclarer? C'est probablement le raisonnement qu'ils ont tenu. C'est une des plus grandes douleurs qui me reste de cet événement-là. C'est le fait que Fresco ait déshabillé complètement Mathieu, qu'il l'ait mis dans le bain pour nettoyer la pièce avant de quitter les lieux. Je me suis toujours dit pourquoi il l'a déshabillé. Suite à l'événement, le couple s'est couché. Le couple met ça sur le stress, encore une fois. Par contre, ils n'ont pas appelé la police, n'ont pas appelé les services d'urgence, les ambulanciers. Ils étaient démunis devant cette situation-là. Le couple ne dort pas du reste de la nuit. Au matin, ils vont rejoindre des amis comme si de rien n'était. Puis, ils font du pouce jusqu'à Montréal. Deux jours plus tard, Fresco se rend à la police. La famille de Mathieu Millette remet en question le récit de Jason Sean Fresco, notamment lorsqu'il affirme que Mathieu serait arrivé en intrus. Il compte sur le procès de Fresco pour savoir ce qui s'est réellement passé. Arrêté le 13 septembre 2005, après une fuite qui l'a mené jusqu'à Banff, en Alberta, Jason Sean Fresco va enfin subir son procès. Malheureusement pour la famille Millette, Fresco décide de plaider coupable. Dans le présent dossier, il y a eu une négociation entre le directeur des poursuites criminelles et pénales et l'avocat de défense. Et eux se sont entendus sur un chef d'accusation moindre, c'est-à-dire, au lieu d'être meurtre deuxième degré, c'était réduit à homicide involontaire. De cette façon-là, bien, le procès a été évité. Il n'y a pas eu de procès. Donc, plusieurs éléments qui auraient pu sortir au procès n'ont pas sorti. La procureure de la Couronne et notre inspecteur décident que il y aura entente avec la partie adverse et ils vont finalement lui demander de plaider coupable pour homicide involontaire. Alors, nous, on était certains qu'il était question d'un meurtre prémédité. Alors, comme victime, on s'est dit, bon, on va y aller avec une demi-mesure. Le fait qu'il a plaidé coupable, là, c'est sûr que lui, il voulait pas revivre le procès. Il voulait pas se rembarquer dans ça, de tout raconter ça encore. Il se serait peut-être mêlé dans ce qu'il avait dit au début. Je crois que ça cache beaucoup de choses. Les Millettes sont scandalisés par la tournure des événements. Ils ont le sentiment qu'aux yeux de la justice, la victime compte moins que le criminel. On a été privé d'informations. On n'a pas eu le droit d'avoir accès à l'enquête de police. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé. J'avais déjà fait une demande selon la loi de l'accès à l'information, mais on m'a dit que je pouvais pas. Lors de l'enquête préliminaire, je vois Fresco qui est interrogé dans les premières heures après qu'il ait été arrêté, habillé d'un coton ouaté avec une grosse capuche par-dessus la tête. Et je le revois ensuite se présenter devant le juge en veston-cravate, un petit peu de gel. Ça m'apparaissait comme une mascarade. Une autre question hante la famille de la victime.
Pourquoi Geneviève n'a-t-elle jamais été accusée de complicité? J'ai demandé à la procureure de la Couronne pourquoi il n'y avait pas d'accusation de portée contre elle. Et puis, on m'a dit que ça ne valait quasiment pas la peine parce qu'elle pouvait venir à la cour puis dire n'importe quoi. Puis qu'à ce moment-là, elle s'en tirerait trop facilement. Que ça ne valait pas la peine de porter des accusations. Une négociation de plaidoyer, communément appelée plea bargaining, semble avoir été adoptée. Les parties se seraient entendues pour ne pas porter d'accusation contre Geneviève, en échange de l'aveu de culpabilité de Fresco. Et c'est la responsabilité du procureur de la poursuite de prendre ses responsabilités et d'expliquer pourquoi ça serait mieux le plea bargaining, d'expliquer les raisons, pourquoi ils vont accepter un plea bargaining. Mais exemple comme raison, écoutez, j'ai plus de preuves contre l'un que contre l'autre. Pourquoi je serais pour le plea bargaining? Bien, j'ai peur d'échapper l'autre. Il manque un peu de preuves ou beaucoup de preuves dans un cas par rapport à l'autre. Alors, c'est une des raisons pourquoi il y a eu du plea bargaining aussi. Si on se pose la question, est-ce que c'est plus les hommes que les femmes qui vont prendre la responsabilité d'un acte illégal? La réponse, c'est oui. C'est clair qu'on peut avoir l'impression qu'une injustice ici où quelqu'un a tout écopé à la place des deux. Par contre, l'agresseur, c'était l'homme, et celui qui ne pouvait pas s'en aller, c'était lui. Donc, la justice, c'est lui qui a mis de l'avant. Geneviève témoigne lors des représentations sur sentence. Selon son témoignage, elle disait que Mathieu était arrivé comme un voleur. Puis elle a mentionné aussi à M. le juge que c'était un drogué, qu'il venait prendre de la drogue avec elle. Puis c'est complètement faux. On a essayé de faire passer Mathieu pour un drogué, alors que l'autopsie a bien révélé qu'il n'y avait pas de substance dans son corps. On a essayé de le faire passer pour un voleur, en disant qu'il était entré par effraction chez les criminels. Et lors de l'enquête préliminaire, les policiers ont très bien démontré qu'il n'y a eu aucune trace d'effraction, ni par la fenêtre, ni par la porte. Le 7 novembre 2005, Jason Sean Fresco reçoit sa sentence pour l'homicide involontaire de Mathieu Millette et son bris de condition. Il est condamné à 9 ans de pénitencier. L'avocat de Fresco en appelle de la sentence, considérant que le juge aurait dû tenir compte de la détention préventive. Le 24 février 2006, Fresco voit donc sa sentence réduite de 11 mois. La chose qui m'a vraiment frappée, c'est la jurisprudence. Un mot qui maintenant vraiment là, me donne envie de vomir. Parce que l'avocat de la défense amène devant le juge des causes qui sont pas du tout du même ressort que celles qui nous concernent. Et à partir de ça, on établit une durée de la sentence. C'est sûr, eux autres, ils ont perdu un membre de leur famille, ils ont perdu leur enfant, ils ont perdu leur petit-fils. Puis, un moment donné, j'ai dit à mon frère, « Faut que tu vois qu'eux autres, ils ont perdu quelqu'un. » Puis, si un jour ça t'arrivait, j'ai dit, « Tu vas voir la réaction que tu pourrais avoir. » J'ai dit, « Oublie jamais ça, là. » J'ai dit, « C'est quand même une vie qui est partie, là. » Jason Sean Fresco a été emprisonné en septembre 2005. En 2009, la Cour lui a accordé la permission de sortir 3 jours par mois sans escorte. Aujourd'hui, il est libre. Le fait d'être détenu, d'être éloigné, d'être forcé à réfléchir, parce que quand on est retiré de la société, on n'a pas le choix de poser un regard sur nous. Si c'est utilisé à bon escient, les gens peuvent cheminer dans ça. Si c'est utilisé juste à ruminer de la colère puis de la vengeance, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment ce que les gens vont en faire. Aujourd'hui, mon frère, il travaille, il mène sa petite vie, puis elle aussi, elle travaille. Je veux dire, je pense que c'est des gens sans histoire, ils font chacun leurs petites affaires. Tu sais, pour l'instant, je me dis, oui, ça va bien, mais... Tu sais, jusqu'à quand? Pour savoir ce qui s'est réellement passé dans l'appartement de Shawinigan, la justice ne dispose que de la version de Jason Sean Fresco. Non seulement la famille de Mathieu souffre d'une perte irremplaçable, mais leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont l'impression de ne pas avoir eu accès à toute la vérité. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ?